Fait que finalement, là, ça fait trois nuits qu'on passe ici. Nous, notre bungalow, il est à 2 minutes à pied pour se rendre sur la plage ici. Fait que c'est la plus belle plage. À marée basse, c'est super beau. Il y a des rochers percés à multitrous. Il y en a un autre là-bas qui est percé aussi. Fait qu'à marée basse, on peut marcher partout. C'est très joli. Le sable, il est un beau sable, presque blanc. Une fois, où les bateaux au fond, on est allé, le sable est plus brun au fond qu'on voit là-bas, au fond là-bas. On avait été visiter la plage hier, mais on a mieux notre petite plage. C'est un petit peu plus grand là-bas, ben, peut-être pas nécessairement plus grand, mais il y a plus de monde. Ici, il y a moins de monde de se bosser. On peut même marcher encore par là-bas. Puis ici, en marée basse, comme ça, on peut se rendre jusque aux îles là-bas. Finalement, on ne l'a pas fait. On s'est rendu à mi-chemin. On devait le faire soit matin, hier matin, mais finalement, on n'a pas le temps. D'autres choses à faire. Mais c'est le check-out aujourd'hui, fait que on va prendre notre bateau à 3h après-midi. Fait qu'on va quitter la chambre. Mais l'autre avait informé si on peut quitter la chambre à 13h au lieu de midi, comme ça. On allait manger, puis on s'en irait pour prendre le traversier. Très joli. Fait qu'ici, tu peux nager. C'est même pas dangereux. À marée basse, là, tu peux t'en aller debout, même pas en nageant, jusqu'aux petites îles, comme je disais, là. Fait que c'est vraiment... L'eau est très claire, beau sable, turquoise. En tout cas, c'est ma plage préférée ici, là, sur l'île. Ciao! Bienvenue à la chaîne là-dedans en voyage. Fait que ça, c'était le petit bungalow qu'on avait. Ah, des durianes. Ça, c'est un genre de fruit. Ça sent bizarre un peu à la senteur, mais le goût, c'est très bon. Fait que ça, c'est des durianes. Fait que ça, c'est bon à manger. Ça, c'est notre bungalow qu'on avait pendant trois nuits. Oui, c'est tranquille. Le soir, il y a très peu de mobilettes qui passent. Il y en a d'autres bungalows tout le long. Il y en a une dizaine plus loin qui seraient plus... Ici, on entend un peu le bruit de la mer la nuit, pas beaucoup. Mais si on aurait eu un plus proche, bien, il était tout occupé. On entendrait encore plus le bruit des vagues, vu qu'on n'est pas loin. Puis ça, c'était à l'intérieur ici, avec un ventilateur ici au plafond. Bon, on est habitué à la chaleur. On le fait marcher un peu, lui, le soir. Dans la nuit, je l'arrête, là. Ça, le matin, il fait 24. Puis ça, son dessin ici, deux marches. On arrive à la salle de bain, la toilette, la douche, le lavabo. Et voilà. Ciao. Comme j'avais déjà dit, le prix, c'est 400 bahts. Ça fait 16 $ par nuit. On était ici, c'était très bien. Puis on a la mobilette que... Peut-être la voie orange, c'est 100 bahts par jour. Fait que très, très raisonnable. Et voilà, ciao! Bon, on attend pour partir. Notre bateau il est arrivé, il est là au fond. Dans une heure, on part. Mais rien que vous montrer la différence des vagues ici. Fait qu'ici, donc la baie est faite que, vu que c'est en demi-lune aussi, les vagues sont bloquées. Fait qu'on, où qu'on demeure, c'est parfait. Sinon, ça aurait été ça, les vagues qu'on avait, là. C'est correct aussi, mais... C'est parce que nous, on a de quoi d'ultra tranquille, très bien là-bas, là. Du beau sable blanc de l'autre côté. Et voilà. Ciao. Il faut sauver le chapeau. Le chapeau de tarpon, il y a beaucoup de vent. Bravo! Chapeau sauvé. Bon, mais ici, c'est le bateau qu'on prend pour repartir. Puis en s'en venant, mais il a accroché un rocher, puis il a fait un trou dans le devant de son bateau. Fait que là, ça, c'est le capitaine qui est en train d'essayer de remettre une patch d'un morceau, je sais pas si c'est en bois, en cuir, qui veut boucher le trou, là. Fait que finalement, ça va être très difficile à faire. Tout seul, il n'a pas été capable. Par la suite, ils sont allés à deux, puis ils n'ont pas été capables. Par la suite, ils nous ont fait embarquer dans le bateau. Puis là, moi, je regardais de côté, mais c'est le filmage, je ne l'avais pas filmé. Mais là, il était à trois, finalement. Fait qu'ils sont mis à trois pour pouvoir réussir à faire à boucher le trou. Fait que là, tout le monde dans le bateau, on était quoi, une vingtaine à peu près d'étrangers qui retournaient à bord. On espérait tous
que ça s'est bien fait. Là, qu'on... Sinon, ben, tout le monde a voulu prendre des vestes de sécurité. Il n'y avait pas pour tout le monde en plus. Fait que Milo, elle en a pris une, puis elle l'a mis. Fait que moi, j'ai dit, Milo, s'il arrive de quoi, on prend nos palmes à tuba aussi pour les regarder. Mais c'est très venteux, puis c'est des grosses vagues. Fait que ça, c'est sûr que ça... Les chances de succès, si le bateau aurait coulé, ça n'aurait pas été facile, disons. Là. Il faut qu'il aille pas loin d'une île, parce que quand on retourne, il y a plusieurs îles en s'en allant aussi. Et voilà, finalement, ben, comme on a réussi, on est revenu sain et sauf. Et voilà. Ciao!